Je déclare que ce que tu regardes sur les réseaux sociaux ne vont pas contaminer ton esprit. Éternel, je te prie pour la pureté de tes enfants. Je déclare que quelles que soient les mœurs qui sont propagées ici, qui sont contraires à la parole de Dieu, que tes enfants ont regardé. Seigneur, je viens enlever cela de leur esprit. Je viens enlever. Père très saint, je déclare qu'aucun de tes enfants ne va suivre ou poursuivre un objectif que tu n'as pas mis dans son cœur, Seigneur. Seigneur, je viens détruire les plans de l'ennemi pour tes enfants. Toute personne qui m'écoute, qui a été déroutée ou déraillée, qui a eu à se retrouver dans des relations, des situations compliquées parce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux. J'enlève l'influence négative que les réseaux sociaux ont eu sur ton cœur. Je déclare que l'impact de ce que tu as vu, qui est en train de vouloir te faire virer dans quelque chose de négatif, est annulé au nom de Jésus. Je déclare que toute incantation, toute malédiction, tout envoûtement donc que tu as subi à travers ce que tu as regardé sur les réseaux sociaux est annulé. Je viens rectifier tes pensées. Je viens remettre les valeurs avec lesquelles tu as grandi, les valeurs que le Seigneur t'a inculquées au nom puissant de Jésus. Je déclare que ces valeurs reviennent. Je déclare que tu n'as pas honte de te présenter sur les réseaux sociaux comme quelqu'un qui défend les valeurs divines au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne seras pas teint. Je déclare que tu ne vas pas te salir. Tu ne saliras pas ton habit dans le spirituel au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne vas pas courir rapidement vers l'argent au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu vas te concentrer sur ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu vas te concentrer. Et Père très saint, je déclare que la saison d'abondance de tes enfants est arrivée. Je déclare que ces dons qu'ils ont préparés et qu'ils sont en train de mettre à la disposition du peuple, ces dons sont vus. Et je déclare que les portes sont ouvertes pour l'abondance financière. Je déclare que vous n'allez pas salir ce que vous faites. Vous n'allez pas salir vos principes. Je déclare que vous n'allez pas suivre la masse au nom puissant de Jésus. Amen.